Oh là là, une dinde au soleil, ça y est. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau daily vlog. C'est le vlog travaux. Oh là là, vous pouvez voir, il y a une petite bâche. Ça veut dire qu'il y a eu du boulot ici. Ce qu'il a fait, ah oui, il a fait le ponçage et l'enduit, c'est fou. Donc, je sais pas si vous voyez, mais il a fait tout le ponçage. Il a fait des deuxièmes couches là. Ou troisième couche, je sais plus, d'enduit. Je pense que c'est deuxième. Donc là, il va falloir tout reponcer. Et il y a d'autres endroits, il n'a pas fait, qu'il va devoir le refaire vite fait. Il doit être 10h et quelques. Là, il est parti à chercher du petit déj et de quoi manger ce midi. Donc, je viens d'arriver et la cuisine n'a pas bougé. Ça me fait trop rire. Genre vraiment, la cuisine, je suis toujours autant fan. À la caméra, ça rend pas du tout pareil. Là, aujourd'hui, le programme, c'est de finir la cuisine. On va essayer de se donner les moyens de finir tout ça. On avait installé les meubles, donc je vous laisse avec cette partie de vidéo. On a réussi à fixer les meubles, le problème c'est qu'il y a des... Comme c'est de l'ancienne électricité, il y a des tuyaux de partout, donc c'est un peu galère. Heureusement, ça arrive pile poil, et là il n'y aura pas de porte, il n'y aura rien, donc ça va, c'est bien. Et là du coup, il faut que je mette une petite planche en bois comme ça, pour le jour, pour vraiment bien tenir le meuble, comme là en fait, exactement pareil. Et là aussi pareil, comme ça, ça mettra la porte beaucoup plus droite. Donc on fera ça plus tard parce qu'on peut pas on peut pas faire la scie sauteuse à cette heure là, il est 22h. Donc déjà je suis trop contente, on a tout fixé ensemble, tout tient extrêmement bien. Et du coup là on avait fait les planches, tout le bordel. Et je vais parler du truc d'IKEA, vous savez, au moins c'est moins cher. Et c'est joli aussi, c'est en bambou. C'est comme le mien mais version horizontale. Et donc aujourd'hui je devrais découper les petits trucs comme ça là pour renforcer le meuble. Et je vais faire aussi les plinthes. Normalement ça devrait le faire, ça va pas être si compliqué. Enfin c'est de la même hauteur, sauf là. Vous cherchez Gollum, et ben faut aller dans la chaleur. C'est ma fille. Ah ouais, t'as fait quoi de beau depuis tout ce temps? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein. Ça fait une bonne semaine quand même hein. T'as fait des conneries ou pas? Non. Elle est blanche. Mais alors encore un peu de sébum là. J'ai pris le coupe-griffe avec moi pour lui couper les griffes parce que là... Ces griffes de raptor, c'est trop. Tu me dis bonjour ou pas? T'en as rien à foutre. Tu m'as déjà oublié, ça y est. On se voit plus pendant plusieurs jours, ça y est, tu m'oublies. Tu ronronnes, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ouais, quand t'as fait ça, ça veut dire qu'elle m'aime. Regardez-moi ce petit peintre. Tes petits potes. Oui, je sais que t'aimes pas quand je le montre. Ah, t'aimes pas quand je le montre. Ah, t'aimes pas. Vous êtes absolument pas droit. En même temps, vous êtes sur deux bocaux. J'ai toujours pas de trépied. J'aurais dû prendre un petit trépied, mais je l'ai oublié. Puis, de toute façon, ça va être l'une des dernières avant longtemps, là, de vlog travaux parce que ben, moi je pourrais plus après l'aider et je vous montrerai le résultat. Je ferai juste peut-être une sous-couche ou les peintures dans le salon, mais tout ce qui est enduit et tout le bordel, ce sera sans moi. On va prendre l'autre planche et on va découper. Comme ça on va re-soutenir un petit peu le meuble. On vient de faire toutes les plinthes, on vient de tout découper. On a redécoupé un petit truc comme ça pour ici parce que l'autre était un peu abîmé. Donc on va tout nettoyer. Voilà, bon, en tout cas, précision hein, c'est pas là pour blaguer hein. On a réutilisé une plinthe comme ça. En fait ces plinthes là sont pas assez hautes par rapport à sa taille. En fait on a juste surélevé les meubles parce qu'il est vraiment très grand. T'as pris les sacs à litière? Si ça contient pas mal. Ah nos sacs poubelles c'est les sacs de litière. Oh non. Il y a un peu de choses là. Ouais mais c'est pas pratique si. Écoute, je sais pas où ils sont les verres. Oh là là. Bon allez on nettoie tout. Donc là on a galéré. On a mis ça et ça pour mieux structurer le meuble parce que sinon il partait en couille. J'ai bien mis la porte parce qu'elle était vraiment tout penchée, c'était pas possible. J'ai installé la première plante et là on est en train de faire la deuxième. On est en train de mettre les petits crochets comme ça qui viennent de chez Ikea, qui sont déjà dans les plinthes d'Ikea. Donc déjà il doit être 15h, non 14h04, ça va. On en prend fini avec cette putain de plinthe de merde. Ah vraiment on a galéré. Mais franchement, c'est propre hein. Sauf là-bas, je crois que je me suis niqué, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais les calculs n'étaient pas bons, Elisa. Non, les calculs étaient bons, mais sauf que la planche n'était pas bonne. Il est 14h21, on va manger des pauvres sandwichs que t'as mis au frais, j'espère. Oui. Mais peut-être juste le plan de travail, histoire de, au moins c'est... Allez, on travaille. Dans quel sens, comme ça? Ah, ça m'occupe pas. C'est lourd. Va bene, ciao! Perfetto! Non, c'est très bien, comme ça on peut passer ta musique. C'est avec des vis en dessous, des écarts? Ouais. Tu veux pas manger d'abord? Non. Fini. Putain. On va manger à 16h. On va jouer au jeu
Où est Gollum? Franchement, je sais pas. Oh là, Gollum! Ah oui! Gollum, faut dormir la nuit. Oui, pas le jour. Le jour, c'est fait pour vivre, aller travailler, payer ses croquettes. Ça va, ma fille? Oh oui. C'est dur la vie? Oh, t'es toute chaude. Oh, petite patate chaude. Oh, t'es trop belle, ma fille. T'es toute douce. J'ai envie de te faire des bisous partout. Incroyable à quel point ça fait beau. Donc moi, je penche plutôt pour l'étagère Ikea, comme celle que j'ai, mais version horizontale. Parce que si on met des étagères, ça va coûter trop cher. Ça va coûter environ 150 euros. Donc trop cher, je trouve. Alors que l'autre, c'est 80 euros. Il y a tout inclus. Ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Là, du coup, faudra faire passer un câble. Peut-être faire un tout petit trou. Mais pour faire passer une multiprise. Parce qu'il y a une prise terre ici. Donc je sais pas comment on va se débrouiller pour faire passer une multiprise là-dedans. Mais on va essayer de mettre une multiprise. Parce que là, il y aura, je pense, le four, micro-ondes. Après, il y a tout ça, coffee station, machin, c'est beaucoup. Et je vais essayer, mais ça, alors ça, je suis pas très sûre qu'il accepte. Mais de mettre une plante tombante de là-haut. Genre accroché comme ça sur le mur. Je parle pas trop fort parce qu'il va m'engueuler. Accroché sur le mur parce qu'on va à la Truffaut bientôt. Un truc, vous savez, qui tombe là, vous voyez ou pas? Voilà, j'essaye de, au fur et à mesure, instaurer les choses. Déjà qu'il voulait garder la colonne de base, je lui dis non, faut la couper en deux. Il voulait pas. Maintenant il veut. Et il voulait pas aussi repeindre en blanc, hein? Ni en vert. Et maintenant il veut, il regrette pas. Tu regrettes ou pas? Non. Est-ce que t'as pas une personne incroyable à tes côtés? Oh putain, ce faux cul. Du coup, voilà. Et ici, bah, il y aura ces croquettes, je pense, ou quelque chose comme ça. Et pour les poubelles, j'ai vu un système à Leroy Merlin. Bon, je vais faire tout tomber. En gros, tu peux coulisser. Pas comme les miennes où c'est accroché à la porte. Coulisser et mettre des choses au-dessus. Enfin, c'est plutôt pas mal. Le système est mieux que le mien. Bad bitch, hein. Vraiment trop beau. La pause est finie. Je vais boire un coup. Tu vas à la Ikea? Il va à la Ikea. Moi aussi, j'ai envie d'aller à la Ikea. J'adore Ikea. Bon, vous voyez, un frigo vraiment très rempli. Plutôt pas mal, je trouve. Tu veux l'étagère? Ouais. Ouais, ça va être beau, je pense. Parce que Leroy Merlin, ça coûterait trop trop cher, je pense. Je suis choquée parce que c'est vraiment comme sur mes plans. Bad bitch. Cette gueule, elle est horrible. Regardez ses cheveux. Non, mais c'est pas possible d'avoir des baby hair comme ça. Et regardez, elle boucle parce que c'est la mèche de la fatigue. Je me suis pas pris d'eau, hein. Elle boucle que quand je suis fatiguée. Je pense que c'est moi, genre 4 heures sur des plaintes, j'ai cru que j'allais péter un câble. Parce qu'en fait, les plaintes, comme je vous dis, standard, sont trop basses. Parce que là, on a vraiment surélevé les meubles de ouf parce qu'il est très grand. Du coup, et encore, c'est pas assez surélevé par rapport à celui d'à côté, parce qu'il y a une plateforme, bref. Donc on a dû surélever beaucoup beaucoup plus, donc il y avait genre 3 cm d'écart entre les trucs. Et du coup maintenant les finitions, ça sera de peindre des petits coins où on s'est loupé. Sachant que là, avec la scie sauteuse, il a dit vas-y nique sa mère, j'y vais, il a oublié. Du coup on va mettre voilà, du silicone et aussi de la peinture. Donc voilà, faire du silicone aussi dans quelques coins et tout, genre vraiment pour que ça soit vraiment net et propre. Il y a aussi celui-là qu'on s'est pas trop occupé. On va peut-être s'en occuper de celui-là, mettre aussi du silicone et peut-être le coller, ou je sais pas trop comment on va faire ça, mais bah, c'est cool. Et ça, il y a des petits trous. J'ai acheté des... Ah bah oui, je peux plus tirer, il n'y a plus les poignées. Mais j'avais acheté des trucs pour mettre là-dedans. Là. Et non, c'est vraiment top, franchement, c'est pile ce qu'il fallait. Heureusement qu'on a rajouté le meuble, parce que sinon ça se serait fait un peu con de couper pour rien en plus. Mais il y a deux champs aussi dans le carton, deux champs comme ça, donc ça c'est top. Je ferme juste la porte, je laisse aérer. Hein. J'ai une dégaine, j'ai honte d'aller à Ikea comme ça. Entre ma tête et ma tenue. On m'a emmené au Starbucks et on a demandé des réfraîchats. C'est quoi? Non, ça c'est le mien. Moi c'est cool lime. Le cool lime à framboise, ah oui. Du coup je savais pas que c'était dans des verres. C'est trop bien. J'adore. On est à boulanger et on cherche un four micro-ondes pour lui là. Et le seul que j'ai vu c'est celui, le LG, il m'a dit il me faut un LG. Parce qu'il a et le frigo, le lave-vaisselle et le lave-linge, ouais. Sauf la plaque de cuisson, là, ouais. Tu t'es merdé là. Je crois qu'il n'y avait pas LG en fait. Ah, et du coup, il a vu celui-là, il dit oh, regarde, c'est incroyable. Mais regarde là, je crois que c'est un truc. Oh non, j'aurais trop peur moi, à ta place, non? Vu le prix. Bah, regarde le prix de la Ouais, non, mais. Oh, mais c'est cher un four micro-ondes. Mais moi, à mon époque, c'était. Non, ton époque, arrête, tu dates pas des années 90 non plus. Bah, si, je suis dans les années 90, moi. Mais c'est aussi cher qu'un four. Là, mais ils ont câblé pour les four micro-ondes. C'est pas possible que c'est 500 balles, un four micro-ondes. Mais c'est four et micro-ondes. Bah, oui. En Ikea, il y a des trucs comme ça. Je trouve ça trop drôle.
Donc là, on est en train de prendre une razzia de bocaux, de machins et tout. J'adore ce genre de hall Ikea, c'est ma passion. Je suis fan. Bon, on a énormément de choses, comme vous pouvez voir. Vraiment, il y en a partout. Même devant, il y en a partout. Donc j'ai offert un hall Ikea en rentrant. Bah, nous revenons de Ikea et je vous ai fait le hall, vous le verrez du coup demain. Pas mal de belles choses en plus, c'est trop cool. Donc un très 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 gros hall. On est éclaté, vraiment on est éclaté de ouf. J'ai les yeux en vrac. Je tremble de la main, j'arrive plus à vlogger. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà mettre tous les bocaux, les assiettes, enfin tout ce qu'il a acheté dans le lave-vaisselle. Il y a encore pas mal de petites choses et là, quand en fait, il est 19h30, on est resté au moins 3 heures à Ikea. Plus faire de bruit pour attacher les étagères et tout le bordel. En train de chercher le panier pour les couverts, là, pour les mettre à laver. En fait, c'est ça. Et du coup, il a eu un orgasme. C'est un Rolls Royce des lave-vaisselle. Vraiment, vous mettez LG et ça, c'est fini, genre ça y est. Non, ASMR. Doucement, pour faire ASMR pour que ça fonctionne mieux. Non, ça fonctionne pas. Et moi, je m'occupe de ces putains de couverts. Sachant qu'ils sont emballés un par un. Ah ouais. Je comprends pas l'intérêt d'emballer ça un par un. Plastic Edition. Bah, du coup, je les mets directement. D'accord. Comment on les met? Tu peux. Wow. Comment on met ça? Ah, mais en plus, faut les mettre droit. Oh, c'est chiant. Moi, j'aime bien les foutre, genre. Oui, bah, c'est pour ça que ça lave moins bien. Mais ouais, ça lave pas. C'est de la merde. Non mais vraiment ça c'est vraiment la nécessité, est-ce que t'as besoin d'emballer chaque couteau? Moi je m'en fous, je les mets là où je peux mettre, lui il la met vraiment genre... Ça c'est bien les vierges ascendant vierge. Mais t'as de l'espace. Mais je m'en fous, laisse-moi mettre où je veux. En fait c'est ça, là t'as plus de place pour les couverts. En fait c'est ça, regarde. Là, ça t'énerve hein, c'est t'énerve. C'est pas au milieu. Non ça t'énerve hein. Regarde. Ça t'énerve hein. Putain, c'est un truc de ouf, je sais pas mais... T'énerve, hein? Mais... Moi, ça t'énerve! Ah, je savais bien que ça allait t'énerver! Ouais! Tiens, même comme ça! Ouais! On s'en fout, mais c'est pas. J'ai. T'as 2 heures pour remettre tes putains de couverts! Après, on se demande pourquoi j'ai du retard dans les travaux. Regardez ça! J'aurais même pas expliqué. En gros, il y avait ça. Et les balles, je me suis dit, vas-y! Parce qu'il faisait le malin là, avec ses putains d'assiettes alignées là. Je lui ai dit, vas-y, tu vas jamais y arriver! Ah mais attends, bah vas-y, mets toutes tes assiettes, vas-y. Ok, alors attends, je pense que là... Le bâtard. Regarde, attends. Attends la suite. Mais je sais pas si on peut rabattre là aussi, si aussi. Mais putain. Oui, on peut rabattre, c'est LG. En fait, on peut rabattre et ajuster pour les grandes... Et même le panier ici, on peut l'ajuster en hauteur et ouais. Ouais. Mais je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je pense qu'on peut faire ça chez moi. Non. Parce que j'ai pas un LG, c'est ça. C'est ça. C'est bien, ça s'ajuste et tout. Eh oui. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a? T'as le seum. Grave. À vous, t'as un peu le seum quand même. J'ai un peu le seum, mais moi je l'ai gratuitement, t'as vu? Ouais, donc là, c'est meilleur quand c'est gratuit. J'ai pas dépensé 800 euros pour un lave-vaisselle. Je pense qu'il faut se calmer la nouille, hein. Arrête de te la péter, juste parce que t'as pu mettre des assiettes. Est-ce que tu vas pouvoir mettre tous tes bocaux? Et imagine. Vous êtes sur un bout de carton. Quel dommage qu'il n'y ait plus de place pour les bocaux. Ah, LG, hein. Vraiment, les deux, on retire jamais. Mais regarde, c'est on ne retire comme... jamais les étiquettes parce qu'on en a marre. Vraiment, et là, il est en train de galérer. J'ai réussi, moi. Tu peux réussir aussi. Et on va faire laver les couvercles aussi. Et on peut, je pense. Moi, je dis, il y a moyen. Entre ma créativité de poisson ascendant scorpion et ton perfectionniste de vierge ascendant vierge, je pense qu'on peut y arriver quand même. T'es mon alter ego, hein. N'oublie pas. Vraiment, les mecs qui collent les étiquettes, tu dois se dire, ça doit subir un raz-de-marée et rester collé, t'as vu. C'est... Oh. Regarde, tu retires, c'est... Enfin, toi, t'es vraiment nul. Vraiment, toi, t'as vraiment aucun diplôme en étiquette, toi. Je suis désolée, même moi, j'arrive à faire un effort. Donne-moi-en, t'es trop lent. Et après, on va manger où? Sultan. Le sultan. Déjà, on va fixer le meuble. Quel meuble? Le plan de travail. T'es sûr? Oui. Parce qu'il y aura le four à micro-ondes à mettre et tout. Hein. Et quand c'est fixé, hein. Ces étiquettes. Donc, on finit de nettoyer la cuisine demain? Ou on fait ce soir? Non, on peut commencer déjà les tiroirs parce qu'il y a tellement de coulures de merde là. Ah, ça m'énerve! Oh, on est nul. On a quasiment tout déballé et tout mis au lave-vaisselle, sauf que bah il a pas acheté des tablettes lave-vaisselle, donc demain on ira faire des courses pour faire un nouveau vlog et tout. On ira à Truffaut, on fera des courses et on installera le reste parce qu'on n'a pas fini comme vous pouvez le voir. Donc là on va nettoyer toutes les, je pense que vous voyez, c'est un peu une calamité un peu partout, et on va aussi réinstaller les poignées.
On les a un petit peu éparpillés partout, les poignées. Parce qu'on est super contents. Franchement, plutôt cool. Donc, je vais installer ça. De retirer la porte. On voulait l'enlever depuis longtemps parce qu'elle prenait trop de place pour rien. C'est un truc de ouf. La luminosité. Je sais pas, c'est trop bien. Bon, je suis en train de remplir ça. De trop. Donc, c'était 150 pièces pour 1 euro et quelques. Donc, plutôt bien ça. Au début, je pensais pas que c'était une énorme diff, mais. T'as vu ? Au début, je pensais pas que ça allait faire une énorme différence, mais en fait, bah si, c'est trop beau. Ça, cette coiffure. Mon dieu. Vraiment, on est au top du top. Hein. C'est vraiment très très propre. On est ravis! Ouais! Faut que tu. Ah bah on va être bloqué. On vient de finir de tout laver, ça sent bon. Ça sent le propre. Il n'y a plus de coulure, il n'y a plus de cheveux, il n'y a plus ce genre de choses. Et là on va mettre toutes les petites poignées. J'avoue, je suis pas très fan, mais bon. Du coup, il est quasiment 22h, donc on va s'arrêter là. Mais on a mis toutes les petites poignées. C'était déjà là initialement. Et en fait, il y a d'autres poignées comme ça. Il y a différentes poignées, voilà, c'est un style assez rétro, voilà. Donc après, il faudra juste nettoyer les meubles, la peinture et tout. Mais là, on est trop crevés, là, on n'en peut plus. Je sais pas si je vous ai montré aussi, ça donne ça, avec les trucs bouteilles et les deux petites plaquettes. Donc il pourra ranger ces petites conneries, enfin voilà. Et oui, on a installé aussi ça. Ça fait vraiment trop trop bien. Là et là aussi. Pah ! Il a installé sa petite lampe. Trop mims. Noir, il m'a dit que ça faisait vraiment très très beau. Donc vraiment trop stylé. En plus, ça va trop bien. En plus, avec ce meuble, mais ça sera pour la chambre du coup. Gollum a veut s'exprimer là. Ça y est. Bon, du coup, je vous montre à la lumière du jour, donc le lendemain, à la cuisine, ce que ça donne. Je sais pas si on voyait bien hier. Mais avec l'ouverture là de la porte, on a direct un accès. Genre, ça fait beaucoup plus grand. C'est beaucoup mieux. Donc, il y a des finitions à faire. Hein, genre, nettoyer tout ça et tout. La peinture que j'ai pas réussi. Hier à gratter avec le microfibre, franchement c'est un truc de ouf. Et ça j'aime beaucoup, parce que moi j'ai le même meuble chez moi, et je savais pas trop quoi en faire, je sais pas si vous vous souvenez de ma vidéo organisation, et plutôt pas mal comme ça, je trouve que j'ai bien géré. Mais en tout cas, super sympa, j'ai fait une petite ambiance hier. Je chiale. Et il a potentiellement un four gratos, parce que sa mère a une pote de je sais pas quoi, gnagnagna, et il pourrait avoir un four. Mais c'est vraiment un vrai four quoi, ça ferait pas four micro-ondes, mais en attendant il aurait un four quoi. Le frigo il est vide comme vous pouvez le voir, il y a des nuggets parce qu'on est allé au couscous hier. Et ben lol, du coup on est arrivé, c'était fermé pendant un mois, on était triste, donc on s'est pris McDo, c'était génial, vraiment top. Donc bah écoutez, je sais pas si ce vlog a été intéressant parce qu'en fait ça prend tellement de temps, les finitions, genre les plaintes et tout. Si vous faites des plaintes vraiment ça nous a pris 3 heures pour juste ça, et dans la fois c'était pareil. Donc vraiment ça prend trop de temps, je pensais pas que ça nous prendrait autant de temps. Et à Ikea on a passé tellement de temps là-bas, donc vous verrez le haul, le volume qui fait caca. Vous verrez le haul soit la fois prochaine, soit le lendemain, enfin je sais pas si on est samedi ou dimanche quand je filme. Et j'ai vu la référence des meubles Ikea qu'il y a là, c'est des références qui datent dans les années 2000. C'est pas du tout les mêmes méthodes, c'est pas méthode etc, ou complément ou machin. C'est totalement différent en fait. Voilà, écoutez, pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOff, à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai dans cette vidéo qui est juste en bas. Je vous fais d'un bisou et je vous dis à plus tard, enfin, demain dans une prochaine vidéo.